Hey, what up? Je voulais vous montrer ma petite run avec mon barb. Vite, vite. Côté rune, on a mis le cheese. À chaque 25 levels, il nous donne juste des legendaries. Puis on utilise nos lock skills pour sécuriser toutes les legendaries à la place d'en pick juste un. Fait que j'ai commencé à utiliser ce strat-là. Avec le barb, ça me tentait d'essayer. On a un septième skill, mais on fait un peu moins mal. C'est un test. Et le move speed. Les free runes, je voulais aller chercher un spell en particulier de Arcane, qui est Arcane Assault. Pourquoi? Parce que dans le fond, il apply le vulnérable, puis c'est 200% extra damage. Ça me semble complètement pété. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé cette rune-là. J'ai été capable d'aller le sniper. Puis je me suis dit, j'aimais bien Quick Strike. En fait, je m'alignais pas mal vers un build frontal. Fait que je suis full frontal avec un Bloodlust. Juste des attaques frontales. Le Cleaver qui scale avec mon armure. Le Quick Strike qui scale avec mon Move Speed. Puis le Héroïque qui scale avec le crit. On est presque à 100% crit. Très soon, on va l'avoir. Puis on est déjà à over 300 crit damage. On a réussi à scaler pas pire le Move Speed. Fait que là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Time for the gameplay. Et voilà, 100% crit chance. On est à la difficulté maximum ou 6 sur 7? On est à 6 sur 7 avec toutes les curses. On a déjà réussi à battre les 20 boss de la run. Mais là, on est dans le Overload. Overlord. C'est le premier niveau d'Overlord. Mon maximum d'Overlord run, il est à 3. Je pense bien break le record avec ce bonhomme-là. Ah, que c'était. J'aurais pas dû pick ça, man. J'ai déjà 100% crit. Ok, les boss sont les fucking melt. C'était un build insane. Je pense qu'il y a un bénéfice à overcap le crit chance. Ma science est pas prouvée, mais I think. L'extra est converti en crit damage? Je sais pas, je sors ça de où, mais. Ok, j'ai vraiment du retarded damage. On va baiter les boss dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de place pour juke. Genre ici. Là, ça fait 3 fois qu'il me donne des legendaries de même. Fait que je dois être level 75 minimum. 75 ou 100. Ouais, je suis 100. Fait que là, j'ai plus de lock skill. Fait qu'on fait un choix. Multicast global, pretty good.
Overlord 2, man. Let's go. Man. C'est un des builds les plus brutales que j'ai fait, là. I think. One of the most fucking brutal builds, dude. Skills breakdown. Body slam en first, c'est lui qui scale avec mon life. 183 millions. Mon Titan Cleaver, c'est lui qui scale avec mon armor. Top 2. Même style damage, c'est quand même puissant. Quick Strike en troisième, c'est lui qui scale avec mon move speed. Et c'est lui que j'ai eu en dernier aussi. Fait que maybe il va shifter le reste. Savage Strike, c'est un essai. Fat damage, mais divisé en toutes les cibles, whatever, pis il consume le damage. Heroic Strike, je l'ai eu pas mal un des derniers aussi, mais il est vraiment plus bas. So, ça me donne une pas pire idée. Les pylônes, j'ai one shot. Fallait pas que je me fascine, man. J'ai perdu une vie. Well, now I know. Thank you.
shit. Area. Multicast, gars. Damage de physical. Check ça. Toutes mes skills sont physical. Ça buff tout mon build one shot. Holy shit. Natio. Ok, le gros. What the Est-ce que je suis rendu au point de one tap off screen? Quasiment. Check leur life. Melté, dude. Breaking the record, right? Je vais tellement vite, dude. Oh! Je me suis mangé sa calice de blade. Ça m'étonne que ça m'aille pas one tap. On va se promener un peu, voir s'il n'y a pas des ressources. Ou des boss, I guess. Ouais, là, parce qu'il faut que je clear les boss. Holy shit! Oh, j'ai reperdu une vie. No way. J'ai plein de cristal à terre. Faut pas que je mange un hit, man. Oh là là. Tout donné, ok. Alright. On égalise le record. Overlord 3.
du boss par ici. J'ai plié dans les flaques, hein. Ça m'a fait tellement mal. Look at this damage, dude. Hey, ça brasse, man. No fucking way!